Le soleil revient. Hein? Tu vas au bout du monde avec ceci. Vraiment. On dirait un scout. Allez les gars, on décolle, on va chez le Saint par Mathieu. Ici, Verdun, Verdun, ça y est en haut à droite. Allez, go. Ce bordel. Il y a un problème avec ça, moi. Je veux un fantastique maintenant. Je veux ça. Et ça, et ça. Je les veux tous. Ah, celui-là est extraordinaire. Extraordinaire. Je n'entends pas rien. J'ai dit un pot, c'est tout. Voilà, Dutch. Magnifique! C'est l'air! Ouais,
peloton de tête. Ben, je suis le peloton du cul plutôt maintenant. Un des Suisses, on pense qu'il a fumé l'embrayage malheureusement. Il n'arrive pas à monter. Moi, j'en suis pas sûr. Parce que quand même, pour ceux qui sont déjà venus rouler avec nous ici dans la Black Mountain, ils le savent, quand on remonte de carcasse, il faut avoir un bon moteur pour rouler. Ah, c'est chaud. Ah non, mais là, je pense qu'il a vraiment fumé en fait, j'ai parlé trop vite. Ouais, mais ça grimpe là. Vous rendez pas compte, mais ça grimpe gaillard. Hein. Ça... Ouais. Ouais. Ah ouais. Embrayage. Un embrayage, je pense. Ouais. Japonais. Ah bon, on est pas loin, on est à même pas 2 km. Là, tu prends la descente, on est chez moi. Oh. Ouais, allez. On devrait arriver. Normalement, tu devrais pas pousser. Normalement. Sinon, mais... eh ben, tu vas pousser. Pour aller à Mathieu, tu pensais pas si bien dire. Ouais, en vrai, ouais. C'est lui, il m'a fait un truc. Non. Ah ouais, non, putain.
Quelle merde. Et regardez, comment je peux te déconner. Mais pourquoi? C'est que j'ai réglé le carbu de cette machine en plein hiver, quand il fait moins de 10, tu vois ce que je veux dire. Et là en fait il est trop riche, c'est pour ça qu'il galère. Je le règle pour l'été, mais vu que j'ai pas roulé avec, et vu que je vais m'en resservir l'hiver, allez, te suis l'estropié, le malade, roule. Hé, hey, c'est toi qu'on attend, Colo. J'essaie de le regresser ce matin, mais le problème, marche, mais vu que je m'en sers jamais, il a dû se gripper avec l'humidité du garage, tu sais. Oui, il tourne, hein. Ça y est, tu m'as mis les couleurs au pot, c'est parfait, regarde, j'adore, nickel. Ah ouais, non, ça y est, il est violet comme j'aime, tu vois, parfait. J'arrivais pas à le faire chauffer, ce con, c'est parfait, t'es arrivé. C'est plus stylé quand même, quand c'est chauffé à blanc, comme ça. Ah, il marche bien le bâtard en fait, ouais, ça va. Bien. Ça va. Je suis content. La première, un peu dans les tours, c'est fou. Merde quoi. Et à la base, je devais mettre les 190, heureusement, je l'ai pas fait. 107, ça suffit. Amplement suffisant. Bon, la compression. Tu sues. La compression, ouais. C'est bon quoi. Ah, c'est pas. C'est l'embrayage. Ouais. L'embrayage qu'a lâché. Il y a une pièce où l'embrayage qui est ramassé. Je pense. Ouais. Ça, c'est on va avoir un petit pétard, hein. Ouais. La gaillette. Il y a l'embrayage. Ouais. Pas le choix. Voilà. Pas le choix ici. Ah putain, en plus ça c'est vraiment un truc que moi j'ai pas. L'huile de boîte. L'huile de bois. Ouais, non, ça c'est écrit. Non. Mais là, on va déjà récupérer la boîte qui est là-dedans. Ouais. Comment c'est? Il y en a combien d'huile de boîte? Je sais, tu sais, 4,5. 4 litres et demi? Non, pas 4 litres, 4 litres et demi, 4 décis. Ah, 400 millilitres, quoi. Ah, ça va. Putain, j'ai eu peur. 415, j'ai eu peur, quoi. 425, 415, ouais, 415, je pensais juste. Attends, laisse-moi, il faut que je trouve un bon contenant déjà pour commencer. Parce que un contenant propre, c'est pas. Non, ça va être trop haut, c'est sûr. Ouais, mais là, il t'a porté la guigne, le fumier, quoi. Quel fumier. Quelle enflure, quoi. C'est comme ça. Non. Bon, c'est bon. Peut-être qu'il a pris un coup de chaud, c'est poulet. On a roulé, vraiment. Puis je te dis, la montée là, vraiment. Ouais, mais j'ai senti, il a commencé à vibrer méchant, puis il fait du bruit quoi. Ouais, il fait un gros bruit. Il y a un bruit de vibration,
Ouais, comme si y'a ta... Ça m'étonne quand même l'embrayage, parce que les vitesses ça passe là. Ouais, elle passe bien. Ouais, mais l'embrayage, tu sais, c'est l'embrayage, tu sais. T'as trois patins. Oui, c'est centrifuge, les trois patins, voilà. Comme ça, ouais, ouais. Je vois comment c'est après, foutu. Après, gomme... suffit que t'en as perdu un. Ah. Tu vois, un t'as bout... perdu un bout de liège. Un bout de, ouais, de liège. Ça fait la vibration, ça vibre, ça fait un drôle de bruit. Ouais, ça déséquilibre l'embrayage, mais... c'est que ça frotte sur le... Ouais. C'est une boîte que j'ai mis, elle est trop agressive. Ah, peut-être. Quoi, comme boîte. C'est que... la Dextron 3. C'est pour lui, ouais, c'est une boîte automatique, ça, c'est une boîte automatique manuelle, la Dextron. C'est juste rien. Donc c'est pas ça. Ouais, c'est bon, hein. Voilà. Ça, ça t'aurait fait bien avant. Oui, non, ouais. Voilà. Ah oui. En général, quand l'huile n'est pas bonne sur 10 bornes, déjà tu sens qu'il y a, il se passe un truc, quoi, tu vois. C'est pas normal, quoi. Tu sens que c'est pas normal. Quoi, ouais, 400 ml. Bah, sors là, hein, Kawa. Comme ça, c'est vite de faire les allers-retours. Hein. Ouais, j'ai ça en contenant, je sais pas si ça va y aller. C'est... Après, tout ce que j'ai, c'est un peu trop haut, quoi. Ça risque de ne pas passer en dessous. Bon, mais voilà, la première panne. Hein. Quel fumier, quoi. Franchement, t'as niqué le game, quoi. Sans pitié. On est parti chez toi, putain. Allez, bim, tu vois. Putain, quoi. Bon, mais comme il a dit, vous aurez un truc à raconter. Ah, ouais. Tu vois, ça fait chier, mais bon. Non, quand même. Non, après, moi franchement, je pensais que. Vu que t'es passé en 70, tu vois, je me disais que dans la montée, c'est possible, tu vois. Que tu sois pas sur la bonne planche de couple, que tu sois en deux. Et, ouais. Il monte mieux que ça, je sais qu'il monte mieux que ça. Ouais, t'es monté chez moi. Ouais. Oui, donc non, oui. Il monte, il tient le 45, il est facile à monter. Ouais, quoi. Ouais. Il a. Partant sans élan, en bas du foulon. Oui, sans élan, ouais, c'est droit, quoi, tu vois, c'est quand même droit, quoi. Mais il y a un bruit. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pensé que c'est un bruit comme un bruit de l'étage. Après, Kawa, il a raison, hein, t'as peut-être perdu un des patins de l'embrayage, enfin, un des morceaux de liège. C'est ça, le début de la vie, là. Et donc, l'embrayage, là, il fonctionne que sur un liège ou deux, enfin, je sais pas combien il y en a dedans, trois ou... Le problème, il est là, quoi. Bon, on vient de remonter du périple, première panne, voilà. Le Saint-Père Mathieu nous a porté la poisse. C'est beau, les Suisses en PLS. Quel fumier. Bon, et Daddy, petite dédicace. C'est bon. On les voit. Thomas Power. Le Thomas Power. Tiens, Daddy. La fiabilité, Thomas. Tu le vois, va enfoiré, va. Non, franchement, beau. Regarde les petits Thomas, la Suisse. Si c'est pas beau, ça. Le sprinter à côté et... Je sais même pas si tu le connais celui-là, Daddy, il est incroyable, regarde. Le fantastique. Petit trou, 10, ce truc, machin. Incroyable. Voilà, regardez-moi ça. Hein ? Comment ça se passe dans la montagne noire ? Hein ? Chez le breton ? Waouh, 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 waouh.